Je sens que ça va sonner. Je suis contente, Chine est arrivée. Je les avais contactés, et ils m'avaient dit ouais, je pense pas et tout. Nickel. Et ça, ah ça c'est les slips et tout, Frigun, qu'on a commandé avec Eric. Coucou, ça y est, je suis prête. Vous savez quoi, il est déjà midi. Parce qu'en fait, j'ai reçu un message, si vous vous souvenez, j'ai passé un casting. Et, alors, je ne sais pas si c'est une réponse positive, mais en tout cas, la personne qui s'occupe... Ah oui, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé un casting pour une série qui va sortir sur Prime Video, quand même. Et en fait, il devait donner la réponse là. Donc, j'ai reçu un message de la casteuse, enfin, de la personne qui s'occupe des rôles, entre guillemets. Je pense que c'est un oui, enfin... Elle me dit, est-ce que je pourrais avoir toutes vos mensurations, tour de cou, tour de poitrine, tour de hanche, je crois que c'est ça, et puis ma taille, pour me confectionner un habit, donc jusqu'ici je me dis ouais, et après, parce que le problème de base c'était quand même mes cheveux, c'est toujours mes cheveux, la couleur, parce que les années 60, tu peux pas avoir de mèche, ce genre de truc. Donc elle m'a demandé que je fasse des photos de face, de profil, naturel, avec les cheveux détachés. Chose que j'ai faite, que je lui ai envoyée il y a 10 minutes de ça. Et voilà, voilà, bon on va voir. Je pensais que, très honnêtement, parce que le tournage va se faire en décembre, je pensais que avec tout ce qui se passait, ça allait être suspendu, ou enfin pas annulé, hein, mais suspendu, et puis reporté à dans quelques mois. Bon, ben... Mais après, je m'emballe pas parce qu'il y a quand même ce problème de cheveux, en plus mes racines, tout. Ça va peut-être pas être facile pour la coiffeuse, en tout cas, de faire la couleur. Bon, je pense qu'elle me donnera une réponse. Sinon, vous avez vu, j'ai reçu le paquet Shein. Je suis trop contente parce que c'était pas gagné non plus, ça. Je pense que je vais faire la vidéo, peut-être cet après-midi ou demain, mais elle sera en ligne plus tard. Hein. Je vais pas me précipiter pour autant. J'ai reçu également Frigun. Eric a commandé plein de caleçons Star Wars. Mais genre 3 caleçons pour 5 euros, des prix top. Moi je me suis pris un petit slip, un petit peu fun, voilà, je pourrais vous montrer même. Et quoi d'autre? J'avais autre chose que je voulais vous dire. Enfin c'est déjà pas mal, hein, entre le casting, tout ça, Shein. J'ai une grosse journée qui m'attend et du coup comme je disais, il est déjà midi, Eric va pas tarder. Il a bossé ce matin de 8h à midi et cet après-midi il a encore 1h. Et après c'est week-end parce que nous sommes vendredi. Et ça c'est mon look, la fille qui a pris toutes ses mensurations. Et surtout, bah, je suis à l'aise. Bon, à part le bidalaire, il caille un peu mais... Après, ce qui serait top, si jamais je pouvais faire le film, c'est même pour vous de voir, bah, je sais pas si je pourrais filmer, mais les coulisses, même ma transformation, parce que j'imagine avec les cheveux, les machins, ça peut être trop, trop bien. Je pourrais faire une série, et je crois que c'est... Ah, c'est peut-être elle qui me répond. Et il me semble, c'est sur 3 jours quand même le tournage, hein. Je suis en train de me rendre compte que depuis ce matin, j'ai déjeuné, j'ai mis les infos, je les dis le matin... Je me l'autorise pour... Et je vous avoue, c'est pour les élections aussi américaines. La télé marche depuis ce matin. Il est fait de façon extrêmement rapide. C'est un peu sombre ici parce que j'ai pas ouvert cette fenêtre-là. On va faire un coucou à bébé. Fais dodo son bébé saké. Est-ce que vous aussi, vos chats sont entrés en phase d'hibernation? Bon, habituellement, on va dire qu'il dort 16 heures par jour. Là, il est passé à 20 heures à peu près. Et il est en train de s'étoffer au niveau du poil. Oh, petite papate. Il devient plus touffu parce que son poil, il fait son poil d'hiver. Hein? Ah oui, ça veut dire bouloche aussi. Mais je vais le coiffer quand même parce que j'ai l'impression qu'il perd pas mal ses petits poils. Tu vois là, qu'est-ce que t'as? Il y a un truc qui te gêne. Qu'est-ce que t'as? Bah. Ça va? Ça serait pas papa qui arrive? Ça va mieux? Ah, il a vu ses caleçons. Ils sont beaux? Bah oui, j'ai pas trop regardé parce que je veux les laver d'abord. Mais je voulais que tu les vois avant que je les lave. Et t'as vu, j'ai reçu ma commande, je pensais pas du tout. Shein aussi. Ça, c'est les Frigun, c'est mon slip emoji, je trouve hyper fun moi. Il est tout simple, mais il va être. C'est qui t'as acheté ça? Très confort, c'est mon chéri. Et toi? J'ai choisi quelques slips. Ils sont excellents. Et franchement, ils étaient pas chers. Hein. 90%. 90%. J'ai eu 6. C'est par paquet 4 ou 6. Ouais. Pour 5 euros. Mais voilà, c'est ce que je disais. Ils sont très beaux. Sinon, ça coûte trop cher. Ah, ils sont super beaux. Donc, ça te dérange pas si je les mets tout de suite à laver? Non, mais les laver. Ça te gêne pas? Ok. Mais c'est que du Star Wars. Tout à fait. Là. Et faut que je t'annonce quelque chose. Cool. La casteuse pour le film m'a envoyé un message. Non. Si.
Non. Incroyable. T'es con, toi ? Ouais, je sais. Du coup, bah, elle m'a demandé toutes mes mensurations coups, machin, pour me confectionner un habit, mais elle voulait une photo de moi, de face, pour mes cheveux libres, de profil, parce que le problème, c'est ma couleur, quoi. Voir si la coiffeuse va pouvoir faire quelque chose. C'est pas gagné. Tu es bien, la couleur, puis tu l'as fait. Tu dis quelle couleur vous voulez, je l'ai fait. Bah, t'es sérieux ? Ça va m'abîmer mes cheveux. Bon, enfin, pas. Et je vous ai même pas repris. Je suis en train de faire mon haul, j'essaie plein de tenues. Depuis le début, ils sont canons, ça me va. Enfin, j'adore, j'aime tout, tout, tout. Désolée de ne pas vous avoir repris, c'est un petit peu la course. Oh, c'est mignon. Bah, de toute façon, vous verrez, hein. Je le mettrai peut-être. Oh, je sais pas quand est-ce que je vais publier. Bon, je vous mets, j'y retourne. Alors, j'ai terminé le tournage. Je suis plutôt très, 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 très contente. Hein. Des pièces, c'est chouette. Là, je viens d'étendre le linge, les slips qu'on a reçus, enfin, les boxers et tout. Et bah là, je suis en train de faire tourner toutes les fringues Shein. Enfin, presque toutes. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut laver séparément. C'est l'heure du montage. Et j'ai pas eu de nouvelles des photos que j'ai envoyées. Mais j'ai quand même un doute parce que apparemment tu pouvais pas avoir de mèches dans les cheveux. En plus, mes racines sont très visibles. Donc, je parle du casting. Hein, donc, je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai des mèches quand même. Bon, on verra. De toute façon, je me tiens au courant. Je vais quand même, puisqu'il n'est pas encore 2h, dans 3 minutes... C'est la fille qui est... Je vais me faire quand même une infusion. J'ai envie d'avoir ça. Et sinon, par rapport à ce que je vous ai demandé, moi aussi c'était sous le dernier vlog, que je savais pas trop, ben, vous êtes beaucoup à me dire, mais même si c'est du quotidien, lambda, où tu fais rien, nous on préfère, moi je préfère... Beaucoup. Donc bon, je vais faire du vlog, quoi. Quoique, et franchement, il se passe des trucs. J'ai reçu des machins, j'ai des... Non. Effectivement, chaque jour se ressemble, mais n'est pas la même. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire quand je prends du retard là. Oh, c'est quoi ce cadrage? Double menton. Oh, par contre, les boutons toujours là. Je vais me reprendre le gingembre citron pomme. Bon, la pomme, je la sens pas, mais le reste, ouais, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Après, faut pas que j'oublie. J'ai dit que j'allais faire une recette. Je rêve de ce truc. À chaque fois que je vois ça dans les films, c'est très américain. Puis tout ça dans les brunchs, je vous en avais déjà parlé. Je n'en ai jamais mangé. Et je pense que j'aurai jamais l'occasion de. Enfin, je sais pas, on ne peut pas dire ça. Mais je vais me faire moi-même des œufs Bénédict. Donc ça a l'air tellement bon. Je vais faire ça moi-même. Je crois que c'est une sauce hollandaise, un truc comme ça. Des œufs, tu mets du pain, du bacon. Oh, je vais me faire. Je sais qu'il va me manquer un truc. Là, je sais pas. Merde, j'ai regardé ce matin la recette. Il faut des œufs, il faut du beurre, il faut du bacon, il faut du pain. Ah, bacon, voilà, j'ai pas de bacon. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Et là, ça va être le moment quand tu regardes ce que t'as filmé. Parce que parfois, tu peux avoir des catas. Mais bon, on va voir. Allez, au boulot. Ah, ça serait bien que je le range, là. On m'a bien servi, n'empêche. Il faut que je fasse ça en 2h grand max. Je crois que j'ai réussi. 3h37, ça va être bon. Ça a sonné aussi, il faut que j'aille étendre le linge. Bon, je finis ça, j'étends le linge, je goûte. On est bon. On va prendre le goûter. J'adore. Qu'est-ce qu'il a laissé sa cape de Superman ici, papa? Ton père est rentré, mon jaquet. Je pense que je vais être dans les temps. 17h16, impec. Regardez. Il est bien là, Jackie, hein. Mais là, pour la lumière, je vais me commander un baume à lèvres, je n'en ai plus. Et alors, baume à lèvres, j'en mets le soir, surtout la nuit avant de me coucher, le matin, bref, j'en mets tout le temps, j'en ai plus. Et je regardais, je me souvenais plus, mais moi, celui que je prenais, c'est le Melvita, non, le Velleda, qui est très bien. Et j'ai regardé là, je regardais quel est le baume à lèvres le plus sain. Et il y en a un, parce qu'en fait, le Velleda, il est très très bon, seulement il y a des allergènes. Mais un qui serait très très bon sans allergène, on nous dit Cattier, je connais pas. Soin à lèvres bio à l'extrait d'olive et mangue sauvage. Il y a également lequel? Le petit olivier. Ah ouais, d'accord. Et puis, nous avons... Ah, il y a Dermophile indien. Roger Gallet, Hello Body, Coco Rich. Et puis, en gros c'est ça. Bon, bah, je vais voir sur le site ce qu'il propose. Je viens de me le trouver sur Easy Parapharmacie. Mais alors, voilà, 2,30. Je vais m'en prendre 2, voire 3. Puis je vais voir s'il n'y a pas une petite crème aussi. Tant qu'à faire. Ah, c'est cool. Il est 6h30. Je vais faire le lave-vaisselle. Je viens de me démaquiller.
hydratation. Oh, ma peau, elle arrête pas de boire, mais j'en mets des couches, sérum, crème. Et tu sens qu'elle boit, ça lui fait un bien fou. Et j'ai fait ma commande, je suis trop contente. Cathier, j'ai pris 2 baumes, j'ai pris un baume hydratant visage. Enfin, j'étais dans Easy Pharmacy, pas mal. Donc, petite commande bien cool, je vous montrerai d'ailleurs. Je la reçois, je crois, dans une semaine. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais en descendant, j'ai aperçu qu'il était beaucoup plus tard. Donc, j'allais me mettre à faire à manger. Ça va, Jack? Mais non, en fait, il est un peu tôt. Ça va me laisser le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais défaire le lave-vaisselle, tiens. Tu aides maman? Faut tout ranger. Allez! Voilà. C'est fini de boire au robinet. Papa, il veut plus. Donc, en plus, c'est que je lui mets dans sa gamelle de l'eau fraîche. Et à un moment donné, il y va quand même. C'est juste un petit kiff qu'il a, mais c'est vrai que c'est pas très hygiénique quand même. Vous voyez, j'ai préparé, j'ai fait des petites pommes, j'ai fait revenir du riz, du boudin. Et je vais changer un petit peu. Je vais regarder, parce qu'il y a plein de films de Noël sur TF1. J'ai vu, regardez. 24 replays, ok. L'atelier du jouet, un rôle sur mesure. Dis quelque chose celui-là. Noël au palace. Un duo magique pour Noël. Allez, on se fait celui-là. Noël au palace.